Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour cette émission Business Matin Weekend. C'est un autre numéro et nous sommes encore présents sur ce plateau pour vous apporter de la gaieté, de la très bonne nouvelle, parler bien sûr de cette émission que vous aimez bien tous les samedis. Nous sommes heureux d'avoir toute la chronique ou encore toutes les chroniques de cette émission. Nous rappelons que toutes les articulations seront présentes pour vous en cette émission. La première articulation avec laquelle nous allons démarrer notre émission, c'est bien sûr l'invité du matin, l'invité de ce week-end. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Nous revenons sur ce plateau pour l'invité du matin dont nous vous avons parlé. L'invité de ce week-end, c'est tout simplement le groupe Les Wallets. Je rappelle que la formation, les deux membres sont pas présents, mais un membre est là, le lead vocal de cette formation, Les Wallets, Viel, que nous recevons sur notre plateau. Bonjour Viel. Bonjour le cavalier. Bonjour encore à vous d'être sur notre plateau. Oui, c'est un honneur et c'est vraiment un très grand plaisir d'être sur ce plateau. Et vraiment, nous sommes très ravis, le bonheur partagé. D'accord, quand on parle de Wallet, c'est une chanson que nous avons appréciée dans le temps. On peut le fredonner un peu pour que les téléspectateurs sachent oui, déjà bien de quoi sûr, il s'agit. Bien sûr, là, la chanson qui a fait mouche et qui continue de faire mouche, qui refuse d'ailleurs de mourir, c'est la chanson à Loulou. À Loulou, là où on parle d'avortement, et là on donne conseil à nos sœurs, à nos différents amis et sœurs de ne pas avorter parce qu'il y a plusieurs moyens pour faire attention, plusieurs moyens préventifs pour faire attention. Donc à Loulou, c'est normalement parler de l'avortement. Donc, d'accord, on peut fredonner, hein, on peut fredonner cette chanson-là pour qu'on puisse avoir un aperçu pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne savent pas de quelle chanson il s'agit. D'accord. Il suffit juste de fredonner. D'accord. Sophia Muziki, Muziki, Sophia Muziki, Muziki, Sona Muziki, Muziki, Babonetta doa, le oyabon, basanga chok, babonetta doa, le oyabon, Sophia, Sophia, Aloulo, Aloulo, Sophia, Sophia, Aloulo, Aloulo, Sophia, Bramale, l'homme salon, Brenouesses, Rollo, Wom, la Zozulo, Bacta son son from Jamlo, Ae, Bramale, l'homme salon, Brenouesses, Rollo, voilà, c'est sûr. Les téléspectateurs ont déjà. Là, tu es plus espéré que jamais. Voilà, mais c'est ça. D'accord, Viel, merci. C'est, ouais, mais c'est super. Merci, moi, Viel. À chaque fois que je chante cette chanson. C'est le refrain que les gens ont retenu. Je voulais vraiment faire revivre ce moment-là à tous les téléspectateurs qui nous regardent cette émission Business Matin Weekend. On parle un peu de votre carrière. Ça fait combien d'années que le groupe Wallet existe? D'accord. D'abord, le groupe Wallet composé de deux personnes. Oui. Je chante avec mon frère aîné qui s'appelle Simita. Simita, vraiment, il y a eu un empêchement. Aujourd'hui, je ne vais pas m'appuyer sur les événements sociaux qui se passent au pays. Il n'y a d'abord rien parce que tout problème, il y a une solution. Tout à fait. Et Dieu a la main sur ce beau pays. Mais ça y est quand même un impact sur son déplacement. Son déplacement, parce que lui n'est pas à Abidjan, dans la capitale économique. Voilà, il n'est pas dans la capitale économique. Là, il fait la navette entre Grand Lao et Abidjan parce que nous avons perdu notre mère. Oui. Aujourd'hui, c'est l'aîné qui représente effectivement tout ce que la mère a laissé. Il le doit chef gérer. De famille. Voilà, aujourd'hui, le chef de famille. Donc, vraiment, pas que les Wallets ne sont pas en parfaite. Donc, on excuse déjà l'absence de Simita. Hein, voilà, Simita, il fallait que je commence par là. D'accord. Voilà, donc c'est important. À part ça, le groupe Wallet se porte tellement bien. Ça va, nous avons déjà commencé la promo de nos maxi single qui est d'abord divorcé, là où on parle et on dénonce le divorce précoce. Donc, avant d'y arriver, il y a demandé depuis quand est-ce que vous existez Bon, l'engagement d'abord, cette très belle initiative a été donnée par Simita, parce que toujours, Simita c'est quelqu'un qui avait déjà pensé la musique avant de la faire. C'est ce qui m'a plu chez lui, sa personnalité m'a façonné. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense la musique, il avait déjà pensé cet objectif avant de les réaliser. Et quand nous sommes mis ensemble, vraiment, ça a donné quelque chose d'éclatant. Et le premier album est sorti en 99. Je peux dire que c'est par là que d'abord l'esprit est né.
Voilà, sinon, après ça, j'avais déjà certaines initiatives qu'on avait déjà prises. Mais la réalisation de l'album qui est sorti en 99 et le tout dernier qui est Sophie qui est sorti en 2004, c'est là qu'est venu d'abord, est né l'esprit de former un groupe et l'esprit de vouloir créer une carrière véritable. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, vous revenez en 2004 avec un album et cet album-là s'affirme aux yeux de tous et aux yeux du monde entier. Et vous arrivez à sortir du pays, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, aller dans la sous-région et même voir l'Europe. Qu'est-ce que ça vous fait? Pour une première fois, vous mettez ensemble et c'est le boom. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, tout objectif qui se met ensemble pour réaliser quelque chose de lumineux, c'est de voir cette initiative-là prendre forme et puis aller de l'avant. Donc ce procurement-là a été vraiment favorable et c'est un plaisir pour nous de défendre notre couleur et de défendre la couleur, le drapeau de notre pays. Voir que le groupe Wale aujourd'hui va de l'avant concernant la musique de notre d'abord, Vos notre terroirs. terroir et défendre la couleur de notre pays. C'est un bonheur, c'est un honneur. Donc cela ne fait que faire un plaisir à Wale. Donc ce plaisir-là, il n'est pas à nous seuls, ce plaisir est partagé. C'est pour ça aujourd'hui, on salue nos fans pour dire que non, on n'est pas, qu'ils ne soient pas déconnectés, qu'ils soient toujours connectés, parce que voilà encore, on a frappé fort. D'accord, ça vous a valu plusieurs voyages à l'extérieur du pays. Et quels sont les pays que vous avez visités avec votre album là où dont nous avons tiré le titre Sophie à Loulo? Ouais, c'est l'album, c'est ça la vie. Nous a fait voyager sincèrement pas mal de pays. Vraiment, mais les pays qu'on n'a pas Il y eu, avait la sous-région et ouais, l'Europe. les pays de la sous-région, on a fait Sierra Leone, on a fait 5 fois le Niger, on a fait le Cameroun, on a fait le Gabon, on a fait pas mal de pays. Je ne veux pas en citer aujourd'hui D'accord, c'est pour ça ici. que vous avez disparu un peu de la Voilà, scène musicale voilà, ivoirienne hein, et puis voilà. vous êtes Parce revenu avec un nouvel un album. nouvel Et nous album. parlons bien sûr de cet album-là maintenant. Et combien de temps vous avez mis pour confectionner cela? Bon, aujourd'hui le groupe Wale, c'est des mises en boîte. Voilà, tous les jours on crée, tous les jours on innove. Donc c'est des mises en boîte. Lorsque il y a les actualités nouvelles qui s'annoncent, on essaie de faire un tri et de prendre ce qui est nécessaire et puis coller les actualités et puis on fait sortir. Aujourd'hui, ce que Wale a choisi comme son cri de guerre, c'est de lutter contre les divorces précoces. Les divorces précoces. Voilà, parce que c'est vrai. Parce que là, dans la chanson, la vidéo que nous allons voir juste à la fin de cet entretien, c'est le divorce, c'est divorcé. Oui, c'est divorcé. Divorcé, donc on aura à voir toutes ces images-là. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est une gangrène qui commence à prendre forme dans notre pays et dans tout ce Vous monde pensez qu'il y a assez entier. de divorces? Oui, assez de divorces. Et puis, c'est même pas. Quand tu demandes aujourd'hui, il n'y a pas d'explication pour rien. Non, c'est ceci, c'est celui-là, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a cela. Il n'y a pas de fondement captif. C'est des préjugés sans fondement et c'est écœurant. À Bonville, vous Ouais. pensez? Oui, je ne pense pas, mais j'affirme Ah aujourd'hui. oui, Voilà. d'accord. Bien, nous parlons bien sûr de cet album-là où nous avons le titre Divorcé. Et c'est un maxi single ou un album? Non, c'était maxi C'est un maxi single. single qui annonce la venue Voilà. d'un album. Voilà, qui annonce l'avenir de l'album. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas la meilleure stratégie, mais c'est aussi une stratégie aujourd'hui parce que la musique en Côte d'Ivoire a été infectée par plusieurs fléaux, donc quand on parle de la piraterie. Donc aujourd'hui, c'est un moyen pour toujours se garder en connexion avec ses fans et ses mélomanes, et puis programmer quelque chose de grand, et puis lancer un album vraiment pour continuer la carrière. Le Wallet, si la vie était à refaire, vous choisiriez encore d'être artiste? Personnellement, moi ou bien Simita. Vous deux, vous Bon, êtes dans le groupe. moi, sincèrement, comme je ne peux pas donner la valeur de ce qui tient à cœur à Semita, sinon, moi, sincèrement, si la vie était à refaire, moi, je deviendrais comme un prophète pour évangéliser, pour soigner les gens, pour édifier à Est-ce qu'il travers est les gens. tard de le faire? Et non, il n'est pas tard. Il D'accord, n'est pas tard. voilà. Donc, même dans ma manière de chanter, dans ma manière de faire les choses, Dieu, j'espère que Dieu m'utilise. Voilà, merci encore à vous. Le temps qui nous était parti tire à sa fin. Oui. Merci encore à vous d'être venu sur notre plateau, le groupe Les Merci. Wallets, que nous Merci. recevons avec assez de passion, assez d'amour. Oui. Et c'est les bénédictions que vous avez sur ce plateau pour votre futur, hein, parce que vous avez sorti un maxi single de 3 titres. Et nous comptons Quatre bien sûr titres, 4 titres hein, deux titres de de remix. remix, d'accord, 4 titres hein, qui annoncent bien sûr la venue d'un album. Oui. Mais nous allons vous laisser le temps de prendre la place du présentateur que je suis pour lancer votre propre vidéo. Waouh, ça c'est super. Chers téléspectateurs de cette très belle émission de Business Africa,
Je suis avec Sylvain Oga, le cavalier, l'homme à ne plus présenter. Sincèrement, suivez cette vidéo. Les Wallais divorcés, on dénonce le divorce précoce. Faites attention. Voilà, chers téléspectateurs, merci encore à Viel du groupe Wallais. Merci au groupe Les Wallais. Nous allons suivre maintenant la vidéo du groupe Wallais divorcé. Parce qu'elle est fâchée. Alicia dit qu'elle veut du boxer. Parce qu'elle est fâchée. On vient à peine de se marier. Ça ne fait même pas un an. On vient à peine de se marier. Ça ne fait même pas un an. Alicia dit qu'elle veut du boxer. Parce qu'elle est fâchée. Alicia dit qu'elle veut du boxer. Parce qu'elle est fâchée. André dit qu'il veut du boxer. Parce qu'il est fâché. On vient à peine, à peine, à peine, à peine de se marier. Divorcer pour aller. Belle vidéo de l'artiste ou bien du groupe, hein, du groupe que nous avons reçu. Le groupe s'appelle Wallais. Viel Wallais était avec nous sur ce plateau. L'autre, son frère aîné, n'a pas pu effectuer le déplacement pour crise sociaux que vous connaissez bien sûr en Côte d'Ivoire. Et c'est sûr que tout est rentré dans l'ordre. Merci encore à vous de nous retrouver sur Business 24 Africa, votre chaîne à caractère économique. Nous revenons pour la deuxième chronique de cette émission, juste après l'invité du matin ou l'invité du week-end. C'est M. Sampoï Doué, notre consultant de tous les samedis. Bonjour à vous, monsieur Sampoï. Ouais, bonjour, gars. Oui, nous sommes très relax hein, ce week-end. Oui, bien sûr, on est tout relax. D'accord. Que la situation vous prend la vie du bon côté. Tout à fait. Faut être positif, positif. D'accord, là, nous allons parler des vertus de la forêt ou encore des plantes hein, pour quelqu'un qui veut protéger sa plantation ou encore sa forêt. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Oui, Maël vient me voir, il m'appelle, et puis bon, moi, il n'y a pas besoin de me déplacer, aller de la forêt. Ah oui, moi, de loin... vous n'avez pas besoin d'aller voir. Non, mais c'est Dieu n'est pas dans la forêt. Ah oui. Dieu est partout, là. Ah bon. D'accord. Non, sinon, effectivement, il y a un monsieur qui m'a déplacé, aller dans sa plantation de VA, l'a planté, c'est près de 16 hectares. Vous devez voir le nombre d'hectares, ça. Non, il m'a dit qu'il a planté son EVA, ça fait près de 16 hectares, et puis au moment de saigner, il n'y a plus rien, il n'y a pas de caoutchouc, pas de jus. Tout est sec. C'est ainsi la tenue, il a insisté pour me déplacer, mais que j'aille là-bas, que je sois ici, c'est la même chose. Il dit non, il faut que tu ailles rentrer dans ma plantation. Bon, ok. Puis il m'a déplacé, il a payé mon déplacement, tout. Puis je suis parti. Je suis rentré dans la plantation, j'ai vu les ébats, c'est bien formé, et puis bon. Derrière, j'ai fait un signe là. Il dit, c'est fini, on va repartir. Il dit, mais comment ça? Ça a été trop facile. Hein? Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Vous allez. Il dit, mais c'est fini. C'est fini. Laisse, c'est fini. J'essaie de protéger ta plantation. Et ça, il m'a sorti des canaris qu'ils ont enterrés dans la plantation, des bouteilles. Il dit, voilà. Il a fait ça encore et c'est fini. Mm-hmm. Il dit, mais c'est tout ça. Il dit, oui. Allons. Il dit, mais attends, faut t'asseoir, moi, toi, prier. Il dit, non, écoute, les prières, on a dépassé ça. On parle de la spiritualité à un niveau élevé. Ce n'est pas une affaire de... Non, on a dépassé ça. Il a fait ça déjà, c'est déjà... Tout est gâté. Ah oui, bah, quand il fait ça déjà, tout est gâté. Ah oui, c'est sûr, parce que vous avez dépassé. Le jour où je vous ai dit en train de marcher sur le feu, là, j'ai dit... Mais... Ah bon. Là, vous avez dépassé. C'est comme une petite fille qui s'attend de l'emmener du village pour surveiller son enfant. Elle est sorcière. On lui a donné que de bœufs qu'elle a enterré derrière la maison de sa tante pour que sa tante tombe malade, pour qu'elle ne fasse pas son... Ben elle est coiffeuse, pour ne pas qu'elle coiffe normalement. Elle a des problèmes. Et ils sont venus avec elle, il dit, bon, tu as fait... Il a dit, ouais, on lui a donné le cœur, il a dit, bon, voilà. Il a tendu la main comme ça, en direction de où est la...
Mais la nuit, elle n'a pas dormi. Ils sont venus les réclamer. Ils ont dit, mais où on t'a emmené? Puis le monsieur a gâté notre fétiche là. Tu vas refaire ça pour nous. Ah, le matin, on m'amène encore. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Non, moi, il a gâté le fétiche. Il dit, moi, il a fait la main comme ça. Moi, je ne sais pas. Il a fait comme ça. Il dit, ça, c'est gâté. C'est gâté. Mais on ne peut rien faire. Quand c'est gâté, c'est gâté. Oui. C'est comme ça. Mmh. D'où, effectivement, on dit aux gens, la forêt, la brousse, à ces esprits. On les appelle les divas de la nature. Mmh. D'où quand tu veux même faire une plantation, tout ça, il faut demander la permission. Nos parents connaissent tous ces secrets-là. Mm-hmm. Quand nos parents au village, quand ils veulent faire une rizière ou un truc, une plantation, ils peuvent prendre de l'eau pour offrir aux esprits, qu'ils appellent génie aussi. D'accord. Et bon, pour que tout se passe bien. Mais quand tu t'élèves, tu vois comme ça. Est-ce qu'avec Dieu, est-ce que c'est permis de faire ça, comme vous l'avez dit Mais qui a créé ça? C'est Dieu. Mm-hmm. Dieu dans ses plantes. Dieu c'est comme les exploitants forestiers. Moi, je reçois beaucoup que je protège. Oui, parce que je leur dis, avant de couper un arbre, il y a un rituel, je leur dis ce qu'il doit faire. Pardon. Les esprits de la forêt. Il y a l'esprit de la forêt. Et puis, l'Iroquois a un esprit puissant. Tu peux même s'adosser à un Iroquois dans une position que je ne peux pas donner maintenant. Mm-hmm. Et puis, tu vas recevoir la force de l'Iroquois. Oui, la force. Les Iroquois, ça a leur esprit. Quand nos parents adorent les bois, mais c'est une réalité. Une réalité. Mm-hmm. Mais moi, je ne sais pas comment les gens peuvent dire non, c'est démoniaque, c'est ça. C'est-à-dire, tout ce qui est noir, on dit c'est démoniaque, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Chez les blancs aussi, c'est démoniaque, c'est qu'ils font aussi. Quand tu es à cause d'une religion, alors, ouais, moi, je ne sais pas où est Dieu finalement. Mm-hmm. Dieu, c'est l'amour, c'est l'amour de ton prochain. Amour de ton prochain. Tu vois. Et effectivement, c'est des esprits. C'est comme nos parents, il y a d'autres qui sont éveillés. Quand ils vont en brousse, par exemple, surtout les cladus praticiens, les plantes leur parlent. Mm-hmm. Moi, sur tes plantes, j'ai guéri telle maladie, j'ai guéri ça, j'ai guéri ça. Tu vois, tu me prends, tu prends l'autre, tu nous mélanges, on fait ça, on fait ça. Il y a beaucoup qui ont connu ça. Il y a d'autres qui rêvent, on leur montre. Tout ça, là, c'est des voies. On dit les voies de Dieu, elles sont insondables. Il y a beaucoup de possibilités que Dieu offre. Mais moi, j'ai choisi de parler, puis ça arrive, ça se réalise. D'accord. C'est tout. D'accord. C'est pour ça qu'on dit aux gens, protégez-vous, mais quand vous voulez faire telle chose, protégez-vous. Bon, vous voulez par exemple faire une plantation, on protège la plantation, même s'il ne pleut pas, que les plantes ont besoin de l'eau. Il va pleuvoir sur ces plantations, mais dans un rayon de 5 km. Mm-hmm. Voilà, ceux qui sont autour de toi vont bénéficier. Ça touche pas les autres. Ça touche non, après 5 km, ça ne touche pas les autres. Bah, bon, c'est une faveur. La faveur a une limite. D'accord. Tu vois, et c'est comme ça. D'où t'as quand même une dame qui a une plantation, bon, les gens croient qu'est-ce qu'elle a mis dedans, elle a mis l'engrais, elle dit, elle n'a rien mis. Ces plantes grandes, ça grandit, elle grandit. Et puis il y a eu feu de brousse dans la région, toutes les plantations brûlaient, le feu est venu crouler sa plantation, ça n'a pas pu rentrer. Ben ça ne peut pas. Mm-hmm. Voilà. Le feu. D'aucuns diraient que c'est la sorcellerie. Non, mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu. Bon, quand on dit que tu as un pouvoir, tu dis, bon, il protège ta plantation, le feu ne peut pas rentrer dedans, il donne à beaucoup d'engrais. À tes plantes, ça va grandir, point. Et ça va se réaliser comme ça. Parce que tu n'as pas le droit de dire, je vais détruire tant, je vais faire du mal, je vais faire... Non, là, c'est négatif. D'accord. C'est négatif, c'est comme ça. D'accord. C'est pour dire aux gens, protégez-vous, la brousse, protégez-vous. Moi, j'ai fait ça... Les esprits de la terre, on les appelle les gnomes. Tu vois, vous êtes en harmonie, c'est eux qui suivaient l'or, mm-hmm. qui suivaient les pierres précieuses, les diamants, tout ça là. Mm-hmm. C'est pour dire, on ne vole pas l'or. Quand tu voles, et t'es sûr, vont te créer tous les problèmes. D'accord. C'est les esprits de la terre, l'eau à ses esprits. Nos parents adorent l'eau pour avoir un enfant, pour avoir... C'est une réalité. Mm-hmm. On ne peut pas minimiser ça, on ne peut pas banaliser ça. C'est une réalité. Mm-hmm. Les blancs savent. Bah, un ingénieur des travaux publics, il doit faire un pont. Il faut que les nanouets, les esprits de l'eau, les ondines. Mm-hmm. Pour ne pas faire ton pont, sinon ton pont va t'écrouler. Ça, c'est le secret bon, qu'on dit aux gens. Puis, quand ils viennent, on protège, on renforce. On leur donne des petits rituels. On leur dit, dis ça. Comment il te dit de dire? Quand tu dis, là, c'est activé. Ce n'est pas une prière simple. Ça devient un mantra. D'accord. Parce qu'un mantra, c'est supérieur à la prière. C'est plus puissant que la prière. Voilà. D'accord. Ah oui, vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, vous pouvez prendre le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler M. Sampoï Doué et il pourra vous aider sans problème. Et vous l'appelez, il pourra vous dire ce qu'il faut faire pour vos différents problèmes, pour la protection de vos plantations ou de vos forêts. Maintenant, on parle de l'élevage, hein, la protection aussi de ceux qui font les élevages et qui n'aboutissent pas. Oui, mais nous, les pouvoirs que j'ai, on dit, tu peux agir sur l'être humain, les végétaux,
les animaux. Voilà. Mm-hmm. Tu vois. Ce qui fait quand quelqu'un il fait l'élevage, on protège ses poulets pour éviter la contagion. Et cette contagion, cette épidémie, par exemple, les gens peuvent provoquer. Mm-hmm. On peut lancer des sorts, les sorciers peuvent lancer des sorts de grippe aviaire. Tu vois, c'est comme une vieille. Oui, oui, vache folle, tout ça. Il y avait quand même à l'époque à Diokwe, à la mairie, pendant la crise, mm-hmm. tout le monde s'est réuni à la mairie pour leur sécurité. Et il y a un vieil parmi tout ce monde-là qui a fait un canari, qui a enterré, elle a lancé épidémie de rougeole. Tous les enfants ont pris rougeole, d'autres ont pas à mourir. Puis il y a un qui est sorti aussi, qui c'est qui a découvert, qui est venu annoncer qu'il a attrapé la vieille là, son canari, on va déterrer. Et ils ont déterré. Le lendemain, rougeole a arrêté. Ceux qui sont malades, ils sont guéris instantanément. Ah bon? Ouais, ça veut dire que le pouvoir pour faire le mal, il est puissant. Mmh. C'est puissant. C'est plat. Quand c'est comme ça, on protège, par exemple, cette mairie, on protège. Bon, ce qu'elle a fait là, ça s'est gâté. Puis ça a retourné contre elle. Si elle peut prendre, c'était même à son âge, elle va prendre rougeole là. Elle va voir comment ça fait mal. Mmh. Tu vois, c'est ça. C'est plat. On dit aux gens, protégez-vous, tout ce que vous allez faire. Les animaux, on protège. Maintenant, si les animaux sont malades, s'il y a grippe, ou m'appeler quand je protège, je peux mettre l'eau dans une bassine. Et puis, il dit, bon, donne, fais boire les poulets. Quand ils vont boire, ils vont guérir. C'est un médicament qu'il a mis là. D'accord. Simplement. Mmh. Tu vois. D'accord, merci. Merci à vous, M. Sompoyi. Merci d'être passé sur notre plateau. Et nous espérons que ces téléspectateurs-là vont vous appeler avec les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour pouvoir passer les voir. Ils passeront vous voir dans votre cabinet. Ils peuvent venir, comme on n'est pas venu, ils appellent. Moi, j'interviens, ils n'ont pas besoin de quitter. Mais il y a d'autres qui veulent dire, je viens, il faut que je te vois. Il faut qu'il soit devant toi. Mmh. Maintenant, il est devant moi, il dit, mais assois-toi loin là-bas. Et puis il dit, bon, allez, prends la position comme ça. Pense à ce que tu veux que Dieu te donne. Ça a duré 5 minutes. C'est tout. Il y a d'autres qui sont sensibles, vont ressentir des trucs bizarres qui vont se passer en eux. Mm-hmm. Et puis ceux qui sont victimes de sorcellerie, on les a envoûtés, ils vont sentir des trucs. Il y a d'autres qui pensent qu'on est en train de les libérer, détacher la corde qu'on a mise, tout ça. C'est-à-dire c'est une lumière qui est en train de les éliminer tout ce qui est négatif en eux. Puis bon, ils se retrouvent légers un coup. Mmh. Puis c'est tout. Maintenant, le sorcier qui revient les attaquer, c'est un homme, mort. Merci encore à vous, M. Sompoyi Doué. Encore un excellent week-end. Ok, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Là. Merci encore à vous de nous avoir suivis pour cette chronique Conseil Spirit. Vous prenez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez joindre M. Sompoyi Doué par l'intermédiaire, bien sûr, de Business 24 Africa. Nous retrouvons une autre chronique. Merci encore de nous retrouver, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Juste après cette chronique de notre ami Sompoyi Doué, nous allons revenir avec Miss Ariane Touré pour la dernière chronique de cette émission. On vous l'a dit, la chronique humour n'aura pas lieu ce samedi. Ce sera la semaine prochaine pour vous qui nous avons apporté assez de messages et qui nous avons appelé. Vous aurez vos messages lus la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi prochain, avec un autre humoriste maison. Merci. Ariane Touré, bonjour, bienvenue. Bonjour, regard. Nous sommes contents de te revoir parce que là, tu illumines le plateau. Merci. Avec cette beauté. C'est des compliments. Une beauté envoûtante. Hein. C'est ça. D'accord. Non, mais là, je suis toute rouge. C'est pourquoi je ne trouve pas les mots. Là. D'accord. Ariane, nous allons vous retrouver pour deux chroniques, c'est-à-dire la chronique show business et la chronique business bonheur. Oui. Et nous allons démarrer par une chronique, c'est cela. Oui, nous allons démarrer par show business. Show business, d'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans Business Matin Week-end. Vous êtes à votre rubrique show business. Le 18 mai 2017, au musée d'Apeur a eu lieu la journée de la femme africaine. Une journée pour honorer la femme et cette journée s'est passée par des conférences sur la femme africaine. En effet, la femme africaine est gardienne des traditions, gardienne de la famille, gardienne de la digitalisation, de la consommation et cette femme-là prend soin de sa famille. La femme africaine est tout au fait différente de la femme occidentale qui prend elle soin de sa famille, qui a plus de responsabilités. Et dans notre très chère Afrique, sachez, très chers téléspectateurs, que les femmes sont célébrées en cette semaine. Nous continuons cette information en parlant de Doxy Yao, la nouvelle des nouvelles, je peux dire buzz des buzz, qui a eu lieu il y a quelques mois déjà. Doxy Yao a été élue et première femme la plus influente d'Afrique et une icône de la beauté africaine. Et
Et donc, si Yao, c'est celle-là, c'est la même qui est la star des réseaux sociaux et qui fait le buzz sur les pages Facebook, YouTube et bien d'autres. Elle se fait appeler la star du monde mondial. Vous aurez l'occasion de la voir en image. Pour ceux qui ne sont pas du même avis, et donc, si Yao, c'est celle-là qui représente dignement la femme africaine au rondeur, célébrée dans notre chère Côte d'Ivoire. D'accord, nous l'avons reçu sur notre plateau il y a quelques semaines de cela, et donc c'est Yao avec toute sa beauté, avant qu'elle parte au Congo pour recevoir ce prix dont vous avez parlé, le prix de la femme influente d'Afrique. Mais je pense que tout le monde n'est pas de cet avis, mais je pense qu'il faut demander. Les avis sont vraiment partagés. Oui, mais comme chacun a ses critères sur la femme africaine, on ne va pas les Ils se sont dit, mais pourquoi elle? Certains de nos téléspectateurs demandent pourquoi elle. C'est la question que je me suis posée, pourquoi elle? Ah oui. Mais la question reste posée, c'est aux organisateurs de répondre à cette question. Les avis sont divergents. D'accord, on y va pour la suite. Et bien, nous passons à notre deuxième rubrique, Business Bonheur. On vous l'a dit, Business Bonheur, c'est la rubrique qui part près de vous, la rubrique qui s'intéresse particulièrement à vous, à votre intimité, à vos moments de bonheur, de joie et bien tout. Et là, aujourd'hui, dans Business Bonheur, nous espérons que la semaine dernière, vous avez apprécié le mariage du capitaine des éléphants Cyril Domoro, l'ex-capitaine, je précise, et que vous avez pris plaisir à regarder ces moments de bonheur et de joie. Aujourd'hui, nous parlons d'une star ivoirienne dénommée Annie Apata, mais il ne s'agira pas d'elle. Il s'agira du mariage de sa petite sœur Nicole Apata et de Monsieur Iyanabi, que vous aurez l'occasion de voir en image. Beaucoup d'émotions, beaucoup de moments forts. C'est aussi ça, Business Bonheur. Voilà, nous retrouvons les images et nous revenons. Dans tous les combats de ta vie, je serai tout. Allez, que le gueule, allez, que bon bon. 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 Ça donne bien, bébé. Ça donne toujours. Madonna Fan.
Voilà. Cette rubrique Business Bonheur vient vous démontrer et vous montrer comment assurer un mariage réussi, comment préparer votre mariage, comment réussir vos anniversaires. Pour vous qui nous suivez à l'instant, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook Business 24 Africa. Également sur le numéro qui s'affiche en dessous de l'écran, vous pouvez nous appeler et nous pourrons prendre plaisir à prendre part à vos différents événements, à vos différents moments de bonheur, de joie, pourquoi pas. Business Matin, Weekend s'intéresse à vous particulièrement, c'est vous les stars dans notre week Business Bonheur. Ah oui, comme on l'a vu hein, dans les images et dans ce reportage-là, avec ce mariage, vous pouvez être aussi à leur place, donc c'est la place à tout le monde. Vous pouvez également faire passer vos différentes images et vos mariages à travers Business 24 Africa et à cette émission Business Matin Weekend avec Miss Ariane Touré. Et oui, et on espère prochainement qu'on aura Oga dans la liste. Tout à fait, ça ne saurait tarder. D'accord, merci, c'est tout hein, pour Business Bonheur. C'est tout pour aujourd'hui, ce fut un plaisir pour nous et on se retrouve la semaine prochaine avec des informations croustillantes, mais aussi encore plus d'émotions, c'est cela notre rôle dans Show Business et Business Bonheur. Ah oui, assez de bonheur à partager, j'espère que vous êtes heureux chez vous à la maison, chers téléspectateurs, merci encore à vous de nous avoir suivis, bonjour chez vous.